Leo asubuhi mapema hivi majira ya saa kenda. Jume ni tuko na inajia security. Security iko pia mtu na mimi. Tunashangaa sana kuna taua mwenye wetu usiku. Mungu akisaidia. Akisaidia kabisa na wale walinzi walikuwa wengi sasa. Tuombe wakuu wa nchi watusaidie watupatie security, watupatie usalama kutuchunga. Antuka kabisa watusaidie kwa kile kitu huko tunapasha pata security ni nini yetu kwenye tunapo. Na migogoro tunaweza ilikuwa kai kusha. Watu wakisha samba kutetele selo kash, anenda kwa nasional, kwa provinciale, kisha anenda Kinshasa, anapata kwa arete, inawaka miuzo imeisha. Sa tunashangala sana, tuko nashangala sana kuna, mengine wako nasiwasha pata maarete, na nchua naleta mvita mwingine. Kwa wana hile kitu, wana kama takimeza mwishia gani. Juhu wa suwazi tu kuwa tu watu njuhu, watu wakufi njuhu watapata kutuwa na hapana. Detai tusaidie, antuka watunze kile kitu, kukone kipareche kwa sana. Sile tuko na waga kwa juhu, hatuna wasikari wa kutuchungu. Na tunasema, wakua watu patia, wasudela kutuchungu kwa juhu. Shufu de kukemange kuwa na wasuda, kama wamemuwa, kama sayi kwa hile kuna panikua bashi. Kwa tunasema, tunapiga wadi kwa kuwa. Basikia kilio yetu watusaidia kwa kile kitu. Kila chef de village au chef de gouvernement kwa upatia sekirite ya kubakia mwingine yake. Kse Ndambi Kamu Marifa, chef de village Rukoko, Mwa Mwibu, na chef de Bukumu, Tenka de Nyiragumu. Merci journaliste, nous étant comme chef coutumier, Mwa Mwibu, nous sommes aussi surpris de l'acte que nous condamnons qui a été fait hier dans la nuit d'aujourd'hui. Nous condamnons cet acte de l'attentat et de l'assassinat du chef coutumier, Mwa Mwibu, Mutumishi Amin Kifende. Cet acte aussi nous fait peur parce que nous étant comme chef coutumier du groupement Mwa Mwibu dans la chefferie de Bukumu, nous avons peur de la situation actuelle que nous traversons, des barbaries qui se font manifester tous les jours dans nos entités coutumières. Nous remercions aussi le Seigneur Dieu qui a gardé le chef coutumier, le chef de groupement et toute sa famille dont ces assassins n'ont pas réussi à manifester ces forfaits qu'ils sont venus réaliser auprès du chef coutumier. Je peux dire que nos services de sécurité, nous demandons à ces services de sécurité, en particulier ceux de la chefferie de Bukumu, de nous être toujours à côté. Nous demandons aussi à l'hiérarchie, à partir de l'administrateur du territoire, le gouverneur de la province, de voir comment nous sécuriser parce que lorsqu'on commence à attaquer notre hiérarchie, puis le chef de groupement, donc nous autres, voilà la suite, ce qui va se passer, nous étant comme chef de village. Alors nous demandons à nos autorités compétentes de nous venir en aide, voir comment ils peuvent sécuriser tous les chefs coutumiers du groupement Mwa Mwibu, du territoire de Nyiragongo en général.